Alors voilà, nous sommes donc à l'exposition elle-même, proprement dite. Vous avez, je crois, compris le principe. Chaque illustration a été faite en 1943 jusqu'en 1944. Et elles sont réalisées à moitié à la gouache, hein, encre de Chine, un petit peu d'encre de couleur de l'époque. Et l'exposition suit exactement la continuité des pages du livre. Sur les originaux, bien sûr, il n'y a pas le spipocode, qui était une petite mention en dessous et qui permettait aux enfants de pouvoir savoir où ils devraient se retrouver dans les rues de Bruxelles et à quelle date, que pour avoir la livraison supplémentaire. Le Spirou sous le manteau, hein, parce qu'il ne s'agissait que d'une feuille pliée en deux, pour la sécurité bien sûr. Alors, venez, et ainsi nous parvenions à écouler la plupart du temps environ 250-300 exemplaires. Difficile à dire, ces choses sont tellement vieilles, tellement anciennes. Alors, voilà comme les choses se faisaient. Pour les magnifiques photographies, évidemment, qui se trouvent entre ces illustrations, là, je laisserai la parole au photographe lui-même. Alors, le but, c'est rester une image qui reste intéressante esthétiquement, sans vouloir tomber dans la reconstruction, dans la reconstitution historique méthodique, mais plus se rapprocher de l'émotion, des sentiments des anciens photographes, que ce soit Capa, Cartier-Bresson ou Doisneau, avec clairement une influence qui est le cinéma et qui dénote par rapport à la photo de cette époque-là. Mais le but était aussi de raconter une histoire sur l'envers du décor du livre de Hall. Donc ça se situait surtout là-dedans et dans beaucoup de repérages pour que les lieux qui seront montrés pourraient être des lieux d'époque, quoi, dans Bruxelles. Et on a réussi à trouver quelques-uns qui n'ont pas vraiment bougé et qui permettent de raconter cette histoire.